abençoe e Israel de Deus. Be blessed and be lifted. Glorifique. At the action of your spirit, we bless you. I will testify all your faithfulness. In the mighty name of Jesus. Amen. 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 Thank you for May the Lord bless you. Bénissons le Seigneur pour son amour. We bless the Lord for his love. Manifesté par sa présence. That is manifested by his presence. Même si nous ne pouvons pas le voir, even if we cannot see it, il est là. He is here. Et ça doit être notre état de conscience. And that has to be our state of conscience. Que Dieu est toujours présent. That God is always present. C'est ça que signifie that, je suis. That's what means I am. Il s'est présenté à Israël. He was presenting himself to Israel. À Moïse. To Moses. Comme éternel. As being eternal. Moïse peut le dire. Moses can say it. Alors que lorsque Pharaon a multiplié les charges des Israélites. But Pharaoh added the charges of the Israelites. Ils se sont plaints auprès de Moïse. They complained next to Moses. Et Moïse est allé se plaindre auprès de Dieu. And Moses went to complain to God. Il lui dit, qu'est-ce que ce peuple t'a fait? He said, what has this people done to you? Pourquoi m'as-tu envoyé chez le Pharaon? Why have you sent me to Pharaoh? Regarde, depuis que je suis parti, since I went there, il a multiplié leurs charges. He multiplied their charges. Le peuple souffre. The people are suffering. Et Dieu va annoncer une chose à Moïse. And God tells something to Moses. Il dit, je suis l'Éternel. He says, I am the Lord. Je n'ai pas été connu par Abraham, Isaac et Jacob sous mon nom l'Éternel. I was not known by Abraham, Isaac and Jacob by my name Eternal. Ils m'ont connu comme Dieu Tout-Puissant. They know me as the Almighty God. Mais à vous, but je you, veux me révéler comme Éternel. I will reveal myself as Eternal. Il dit, c'est moi qui ai endurci Pharaon. I say, I'm the one that has hardened Pharaoh. Parce que je veux que vous me connaissiez comme éternel. I want you to know me as the Lord. Éternel qui veut dire the Lord which means le Dieu toujours présent. The God who is always present. C'est-à-dire celui qui a été avec Abraham. Being the one who was with Abraham. Il est celui qui est avec Moïse. He's also the one who is with Moses. Mais surtout un élément particulier. One particular element. Dieu veut changer la conception de Moïse. God wants to change Moses' conception. Il veut lui révéler he wants to reveal to him que le Dieu qui a parlé à Abraham, that the God who spoke to Abraham c'est celui qui accomplit. He's the one who accomplishes. Il dit Abraham n'a pas eu le temps he said Abraham did not have the time de me connaître comme celui qui réalise ce qui a été dit. So to know me as the one who realizes mais what vous, has been said. Vous allez me découvrir ainsi. But you will discover me so. Je viens I come pour accomplir ce que j'ai dit à Abraham. I come to accomplish what I told Abraham. Et en le réalisant, and by realizing it, vous désormais, you from now on, vous me connaîtrez comme l'Éternel. You will know me as the Lord. C'est aussi le Dieu de l'Alliance. That means the God of the Covenant. Le Dieu qui traite alliance. The God who makes a covenant. Et le Dieu qui accomplit l'alliance. And the God who accomplishes the covenant. Il a traité une alliance avec Abraham. He made a covenant with Abraham. Parce que quand Dieu se révèle à quelqu'un, il parle avec quelqu'un. When God reveals himself to somebody, il entre en engagement avec la personne. He enters in an engagement with that et person. Dieu a traité alliance avec Abraham. And God had made a covenant Dieu with Abraham. Dieu avait dit à Abraham. God told Abraham, sur ce territoire, on this territory, j'y reviendrai. I will come back. Ta descendance y vivra. Your destiny will live there. Je le donnerai à ta descendance. I will give it to your descendants. Le Dieu qui a promis cela, the God who promised that to Abraham, Abraham n'est plus là. Abraham is no longer.
with him. Il vient de réaliser. He comes to realize it. Il vient l'attester. He comes to attest it. Alors pour qu'il en soit ainsi, for that to be so, il faut que les conditions, the conditions soient contraires à la promesse. Has to be contrary to que the promise. Les conditions, the conditions soient différentes avec ce que Dieu avait prévu. Has to be different with what God had planned. Et c'est ce qui a été. That's what was. Pharaon devait devenir encore dur. Pharaoh had to become more hard. Et Dieu dit à Moïse, and God tells Moses, c'est moi qui le fais. I am the one who. Alors il lui dit, and he says, tu verras, you will see, désormais ce que je vais faire au Pharaon. But from now on, what I will do to Pharaoh. Une main puissante. A mighty hand. Va vous libérer de sa main. Will set you free from his hand. Pharaon sera obligé. Pharaoh will be obligated. De vous chasser de son territoire. To kick you out of his territory. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. C'est ce même Dieu. It is that same God. Que nous invoquons aujourd'hui. That we call upon today. Le Dieu qui a été avec Abraham, the God who was with Abraham, le Dieu qui a fait des promesses, the God who made promises, le Dieu dont Balaam a parlé, the God which Balaam spoke about, en disant il n'est pas un homme pour mentir, to say he's not a man to lie, ni fils d'un homme pour se répandre, nor a son of man to repent. C'est ce qu'il dit, il le fait. What he says, he accomplishes it. Ce qu'il déclare, il le réalise. What he declares, he realizes it. Bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, nous voulons évoluer dans notre étude, we'll have to move forward in our study, pour comprendre, to understand, la nécessité, the necessity, d'un mental renouvelé, of a renewed mind, avec la vision de Dieu, with the vision of God, afin de réussir, so that you can succeed, avec Dieu dans ses voies, with God in his ways. Amen. 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 Nous examinons encore dimanche. We examine again on Sunday. Cette parole du Seigneur Jésus. This word of the Lord Jesus. Vous connaîtrez la vérité. You will know the truth. Et la vérité vous affranchira. And the truth shall set you free. Et nous avons compris. And we understood. Que la vérité. That the truth. Elle est l'accès aux dispositions de Dieu. Is the access to God's disposition. Aux planifications de Dieu. To the plannings of God. Au programme de Dieu. To the program of God. Et ce programme. And those programs. C'est que nous. Is that us. Nous sommes en Christ. We are in Christ. Tout en étant sur la terre. Only being here on earth. Et nous étions en train de chercher à comprendre, and we're trying to understand, comment nous pouvons vivre sur la terre, how can we live on earth, comme étant au ciel, like being in heaven. Ce dont nous avons besoin, so that's what we need, c'est de savoir, is to know, ce que spirituellement Dieu a fait de nous, what spiritually God has done of us, et ce que nous savons, and what we know, de ce que Dieu a fait de nous, of what God has made of us, dans la dimension de notre être spirituel, in our dimension of the spiritual being, va avoir de l'impact, will have an impact, sur notre pensée humaine, in our human mind, la pensée qui est avec nous sur la terre, the thought that's here with us on earth, elle sera affectée, will be affected, par la connaissance du ciel, by the knowledge of heaven, par la révélation du ciel, by the revelation of heaven. Et ainsi nous marcherons, so there we will walk, dans une nouveauté de vie, in a new way of life. Et c'est ce que je voudrais qu'on examine ce soir. That's what I would like for us to examine tonight. Nous avons plusieurs fois, we have many ways, et à plusieurs reprises parlé du renouvellement de l'intelligence, and many ways talk about the renewing of your mind. Et cela n'empêchera pas qu'on en parle encore. And that will not stop for us to speak about it again. Mais cette fois-là, sous une version différente. But this time in a different version. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Nous sommes dans le siècle de l'ordinateur. We're in the cycle of computers and new medias. Et je voudrais me permettre d'utiliser cela comme exemple. I'd like to use that as an example.
Aujourd'hui, tout est informatisé sur le plan technologique. Today, everything is made in the technology model. Et qui dit informatisé, but saying informatized or technologized, voudrait dire programmé d'avance. It be programmed in advance. Si celui qui a fabriqué un outil, if the one who created MT, Microsoft, il a mis un programme dans un appareil. Has put a program in a computer. Et cet appareil ne peut fonctionner que selon le programme qui lui a été mis dedans. Can only work according to the program that was installed inside. Il a été programmé pour faire telle et telle chose. It was programmed to do this and that one. Mais je pense But I think que toutes ces personnes ont copié Dieu. All those people copied God. Parce que c'est Dieu qui a fait l'homme avec la capacité de programmation. With the ability of programming. Amen. Amen. Tout ce que nous rencontrons dans la vie, all that we meet on in life, devient un programme en nous. Becomes a program in us. La différence entre nous et l'ordinateur, the difference between us and a computer, ce que l'ordinateur, c'est celui qui le conçoit, qui le programme. The computer is the one who's using it, the one that's programming it. Mais but l'homme, par contre, but man instead, il se programme. He programs himself. Au travers des circonstances, événements, events, l'homme man, met en lui put in him, des choses qui programment sa vie, things that program his life, des choses qui programment ce qu'il fait, things that program what he's doing, des choses qui programment son futur, things that program his future. Bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, s'il y a une chose if there's one thing que Dieu ne peut pas faire, that God cannot do, c'est violer la volonté de l'homme. That is to violate the will of man. Dieu a fait l'homme, God created man, avec une volonté souveraine. With a sovereignty will. Si ce n'était pas ainsi, if it was not so, Dieu pouvait nous convertir tous par juste claque de doigt. God could have helped us to give our lives quickly. Soyez convertis. Give your life, mais he will give your life. Tient toujours. But he always stands firm. Que vous et moi, that for you and I, nous prenions la décision de nous convertir. For us to give, to take the decision that we give our life to. Voyez cela. Do you see that? Tant que vous n'avez pas décidé de le faire, as you have not decided to do it, rien ne se fera. Nothing will happen. Alors, then, au modèle de l'ordinateur, in the model of the computer, nous sommes comme des ordinateurs, we are like computers, que des circonstances et des événements ont programmé. That circumstances and events have programmed. Notre nature, our nature, nous a programmé. Has programmed us. Notre passé, our past, nous a programmé. Has programmed us. Les événements de la vie, the events of life, nous sont programmés. As programmers, il y a deux choses, there are things que nous savons par nous-mêmes, that we know by ourselves, que nous ne pourrons jamais faire, that we cannot do, parce que c'est un programme en nous. For it's a program in us. Il faut pour les réussir, for you to succeed at it, arriver à déprogrammer notre tête. To remove that from you. Parce que c'est de notre tête que tout part. From our mind that all begins. Et la parole de Dieu, and the word of God, elle est l'outil de Dieu par son esprit, is the tool of God by his spirit, pour, for, si vous voulez qu'on utilise le langage technique, if you want us to use the technical language, pour formater notre tête, for it to form our head. Éliminer tout ce qui a été emmagasiné. To eliminate all that was put in it. Afin d'y mettre des nouvelles choses. So that he can put new things. Et c'est ça que nous appelons avec la Bible le renouvellement de l'intelligence. That is what we call with the Bible the renewing of the mind. Une fois mon ordinateur résistait. One day my computer was resisting. Faisait des choses contraires. Was doing things that were opposite. Quand je le commande, when I wanted to,
il veut autre chose. He does something else. On m'a dit, and they told me, votre ordinateur a des virus. Your computer has viruses. Un virus dans l'ordinateur, a virus in a computer, est un programme. It is a program. Voyez comment ça se passe. You see how that works. Un virus est un programme. A virus is a program. C'est-à-dire, meaning, vous avez introduit dans votre ordinateur introducing your computer, quelque chose qui l'a infecté, something that is infected, avec un autre programme. With another program. Ce programme a commencé à se développer dans ton ordinateur. That program started developing in your computer. Il fait des choses contraires à ce que toi tu commandes. It does contrary things to what you want to do. Alors je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? So I said, what must you do? On m'a dit, comme ce virus est puissant, since that virus is powerful, nous n'avons pas l'antivirus qui peut le détruire. We do not have the antivirus that can destroy it. Nous devons formater votre disque dur d'ordinateur. We must change your disk of the computer. Formater, comment ça peut se dire? Le mot vient de l'anglais. We must erase. C'est-à-dire, on doit tout détruire. Meaning that we must erase and destroy everything. Effacer tout. To erase everything. Et réinstaller de nouveaux programmes. And to reinstall a new program. Je dis, mais je veux perdre les choses que j'ai là-bas. I said, I will lose things that I have in here. On m'a dit, pour ce qui t'arrive, c'est ce qu'il faut. They told me, for what is happening to you, that's what you must do. On a tout éliminé. So we erased and eliminated all. Que tout était infecté. I lost all that I had because all was infected. Lorsqu'on parle, when we speak du renouvellement de l'intelligence, about the renewing of the mind, on entend, we hear, détruire tout ce qu'on avait en magasin. All that we store it was have to be le remplacer par le contraire. And replace it by what is contrary. Quand il dit renouvelé, when he says renewing, il voudrait dire, it means rendre encore neuf. To make it again new. Donc, remettre so meaning, dans l'état neuf. Meaning to put it back in the state. Notre mental. We have to put back our mind in the new state. En fait, so, depuis que nous avons grandi, since we were growing up, depuis notre existence sur la terre, since our existence here on earth, nous avons accumulé des choses, we have accumulated things, qui nous sont programmés autrement. That has programmed us another way. Notre vie, our life, est dirigée selon ce que nous avons emmagasiné. It's directed based on what we store in us. Bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, le principe biblique, the biblical principle, du renouvellement de l'intelligence, of the renewing of the mind, nous permet de comprendre, helps us to understand, que ce que nous croyons, that what we believe, détermine ce que nous faisons. Determine what we do. Vous comprenez ça? You understand that? Ce que nous croyons, what we believe, détermine ce que nous faisons. Determine what we do. Et ainsi, and therefore, si nous nous retrouvons incapables, if we find ourselves unable, c'est parce que nous avons cru quelque chose, for we believe that something, qui a déterminé en nous le caractère d'incapacité. That determines as the characteristic of being unable. Nous avons fait allusion ou référence à Moïse, we made reference to Moses, à Jérémie, to Jeremiah, à Gédéon, to Gideon, et à plusieurs dans la Bible. And to many more in the Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Lorsque Dieu parle à Moïse, when God speaks to Moses, Moïse dit à Dieu, Moses tells God, qu'il ne peut pas faire ce que Dieu lui demande. That he's not able to do what God is asking. Il montre à Dieu, and he shows to God, que cela est impossible, that that is impossible. Parce que lui, il a des défauts. For I have defaults. Il a des incapacités. I'm not able to. Et d'où lui vient ça? And where does that come from? Moïse dit à Dieu, Moses tells God, tu sais que j'ai une langue embarrassée. You know, je that, sais pas parler. You know that I have a tongue that is not able to speak. Donc Moïse, Moses, est programmé, was programmed, de façon que tout ce qui va utiliser le langage, that all that he will do when using his
ne soit pas de choses de sa compétence. Will not be things that won't accomplish or won't be ne soit pas de choses de sa capacité. Will not be things of his abilities. Pour dire to say que Moïse croit Moses believes aux obstacles naturels de sa vie. To natural obstacles of his life. Et ceci détermine le comportement de Moïse. Determines Moses' behavior. Jérémie dit à Dieu, Jeremiah tells to God, je suis un enfant, I am just a child, je ne sais pas parler. I do not know how to speak. Jérémie a été programmé. Jeremiah was programmed. Des circonstances de sa vie l'ont programmé. The circumstances of his life programmed him. Et Jérémie ne peut pas procéder autrement qu'en voyant cet handicap, cet obstacle. Jeremiah cannot proceed another way but just seeing that handicap or inability. Un serviteur de Dieu, one servant of God, dans une réunion, in a meeting, a décidé de prier pour les malades. He decided to pray for the sick. Il a appelé un malade. He called the sick. Il a prié. And he prayed. Le malade est rentré malade. The sick went back sick. Et cet échec, and that failure, si on peut l'appeler ainsi, if we can call it so, est resté dans le serviteur de Dieu. Remained inside the servant of God. Moi, si j'étais à sa place, me, if I was at his place, je me dirais, I would say, c'est Dieu qui guérit. God who heals. Moi, je déclare sa parole. I declare his word. Moi, je pose les mains. I lay hands. Si ce n'est pas arrivé, if it did not happen, c'est pas mon problème. It's not my problem. C'est Dieu qui doit être. It's God who has to explain. C'est Dieu qui doit avoir le problème. It's God who has to have the problem. Mais cet homme de Dieu, but this man of God, je crois qu'il a fait tout mis là-dedans. I believe that he put all in there. L'orgueil. The boastfulness. The human boastfulness. C'est pour ça que Dieu a empêché la guérison. Maybe that's even why God stopped the healing. Il faut dire aussi que tous ceux pour qui on prie ne guérissent pas toujours. You also have to say that all the gens dont Dieu a prévu de secourir autrement. For the people that God planned to rescue another way. Il a des enseignements à donner au travers de la maladie. For those that he has teachings to give through that sickness. Mais cela n'empêche pas que nous continuons à croire dans la guérison divine. But that does not stop us to do. Alors, the cet homme, so this man, chaque fois, every time, qu'on amenait un malade dans l'église, that they would bring a sick at the church, le souvenir de ce malade lui revenait. The souvenir of that old person will come back to him. Il perdait le courage de parler de la guérison. He will lose the courage to speak about healing. Donc, pour que cet homme, for that man, ose un jour prier pour un malade, wanted to try again to pray for a sick. Il faut effacer ce qu'il a programmé autrement. He has to erase what he programmed differently. Un monsieur, one man, a été abandonné par une fiancée, was forsaken by a fiancé, à l'entrée de l'église, by the entrance of the church. Donc pendant qu'ils étaient à la porte attendant la fiancée pour entrer, but they were at the door waiting for the fiancé to come in. Elle est arrivée. She got there. Et il lui a dit qu'elle a décidé d'arrêter. And she told him that she decided to stop. Là, devant tout le monde. In front of everyone. Elle est partie. And she left. Et pendant ce moment-là, and at that time, il y avait la cloche de l'église qui sonnait. Bon, bam, bam. There was a church bell that was ringing like the pastor is doing. Il y a eu association entre l'acte de la fiancée. There was an association between the fiancé et le son de la cloche. And the bell sound. Chaque fois que ce monsieur entendait le son de la cloche. Each time that that man would hear a bell ring. Il faisait une crise. He would have a crisis. Il se rappelait. He remembered. Et il n'avait même plus le courage d'aborder une autre fille. Never even had a courage to come again to another. Qu'est-ce qui l'a bloqué? What blocked him? La déception. With deception, la crise commune. And the Christ that he knew. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Tout ce que Dieu a voulu utiliser. All that God wanted to use. Et cela jusqu'aujourd'hui. And that until today. Regarde les choses selon l'homme. Look at things based on men.
et trouvent qu'ils ne peuvent pas le faire. And found that they're not able to do it. Et c'est ainsi que and that's how il peut arriver même qu'on écoute la parole de Dieu. He can even arrive to hear the word of God. Qu'elle vous déclare des choses. That declares to you things. Mais quand vous restez seul, but when you remain alone, vous vous dites, you tell you, c'est vrai, ça marche avec les autres. It's true, it works with others. Mais pour mon cas, but for my case, je vois que c'est pas ça. I believe it's not so. Ça ne va pas être ça. It will not be that way. Ainsi, mon frère, ma soeur, therefore, my brother and sister, ce que tu crois, what you believe, définis ce que tu fais. Define what you do. Ton attitude. Your attitude. Détermine ton altitude. Determine your altitude. C'est-à-dire que pour monter, it means for you to go higher, il faut avoir une attitude de monter. You have to also have an attitude that raises. Il faut avoir une attitude de monter. For you to have a raising attitude, il faut croire en quelque chose. You must believe at something. Tu crois en quoi? What are you believing in? Notre vie de tous les jours, our life of every day, nous a dit des choses, told us things, qui nous définissent, that defines us. Les uns, c'est selon ses origines. Some, based on their origin. Les autres, c'est selon je sais pas, son passé based, ou le passé de sa famille. Based on their past or their family's past. Ou ce, je ne sais pas, les niveaux d'études. I do not know the levels of their study. Chacun se définit et s'arrête. Everyone defines themselves and stops. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous croyez. You cannot go above what you believe. Amen. Et il faut retenir ici, you must remember here, on ne croit pas qu'en Dieu. You not only believe in God, vous pouvez croire dans autre chose. You can also believe at something vous else. Vous pouvez croire dans votre mort. You can believe in your death. Vous pouvez croire dans votre arrêt. You can believe in your stopping point. C'est ce qui a pris place et contrôle en vous. That's what has taken place and control in you. Qui définit ce que vous allez faire. And defines what you will do. Ainsi, and therefore, pour aller au-delà, to go above that, il faut que l'handicap, the handicap, la chose qui est en vous, the thing that is in you, a bloqué votre possibilité d'avancer, that has blocked your possibility of moving soit forward, éliminé, has to be erased. Et la façon de l'éliminer, and the way to eliminate it, consiste en la remplacer, consists by replacing it, l'enlever, to remove it, en la remplaçant par autre chose, and replacing it by something else, qui lui est contraire, that is contrary, qui s'appelle la vérité, and which is called the truth. Jésus dit, Jesus said, si vous demeurez dans ma parole, if you abide in my word, vous connaîtrez la vérité, you will know the truth, et la vérité vous affranchira. And the truth shall set you free. Ainsi, mon frère, ma soeur, and therefore, my brother and sister, la parole de Dieu qui nous est enseignée, the word of God that is taught to us, a comme objectif, has an objective, de rentrer en nous, to enter in us, nous révéler la vérité de Dieu, to reveal to us God's truth, par rapport aux mensonges que nous avons accumulés, based on the lies that we have stuck, afin de nous rendre libres. So that he can set us free. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, j'aimerais que nous puissions prendre un texte dans Ephésiens chapitre 4. I'd like us to take a reading in Ephesians chapter 4. Nous lirons le verset 22 à 24. And we'll read verse 22 to 24. Verse 22. Ephésiens 4. Ephesians chapter 4. Verset 22. Verse 22. Pour l'enchaîner mieux, and to be better beginning, je veux prendre un verset avant. I will take that verse a little bit higher. Commençons par le verset 20. Let's talk about verse 20. Mais vous, but, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. But you, it's not that way that you learn Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. And if you heard about him and you taught the truth, yes, the truth of Jesus.
Vous avez instruit, été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt dans les convoitises trompeuses. You ought not to live your old self. This means that you must stop living the evil way you lived before. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. That you may be new in your heart and in your thinking. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Be that new person who was made like God, the truly good and pleasing to Him. Voilà ce qui est dit ici. This is what he said here. Paul dit aux Éphésiens. Paul says to the Ephesians. Que ce n'est pas de cette façon que vous avez appris à connaître Christ. Now in this way that you learn to know Christ. Si vous avez été instruit en lui, if you are instructed by him, à vous dépouiller de votre vie passée, to let go of your old self, vous dépouiller du vieil homme, to let go of your old life, qui se corrompt dans les convoitises trompeuses, that comes in the lies, à être renouvelé, to be renewed, dans l'esprit de votre intelligence, in the spirit of your truth. Voyez ce que je voudrais nous communiquer. You see what I'm trying to communicate to us. En nous, in us, nous avons notre pensée. We have our mind. Et ce qui nous fait faire des choses, and what makes us do things, Paul l'appelle, Paul calls it, l'esprit de notre pensée. The spirit of our mind. Voyez ça. Do you see that? Quelque chose. Something. Comme je parlais pour l'ordinateur, une sorte de virus, a type of virus qui caractérise la pensée humaine. That characterizes the human thoughts. Vous comprenez ça? Do you understand that? La pensée d'homme sans Dieu. The thought of a man without God. Elle est comme affectée par un virus. Ce que Paul appelle that's what Paul calls l'esprit de votre pensée, de votre intelligence. The spirit of your mind or your intelligence. Ce qui fait fonctionner. That's what makes work. C'est-à-dire tout ce que vous avez all that connu. You have known. La façon dont vous avez grandi. The way that you grew up. Les choses auxquelles vous avez été exposé. The things which you were exposed. Les choses selon lesquelles vous avez grandi. The things which you grew on. Ces choses constituent un certain esprit qui vous caractérise. Those things make a spirit that characterizes you. Je parlais avec une personne. I was speaking with someone. Qui travaillait avec moi. That was working with me. J'avais constaté. I realized. Que cette personne croit difficilement. That person believes hardly. Au changement. To change. Si vous lui dites, if you tell him, on va faire ceci, we will do this. Il me dit, ah, ça marchera pas. He said, no, it will not work. Je dis, comment ça marchera pas? I said, how will it not work? Je dis, non, parce que, he said, because, il y a ça, there's ça this, et ça. There's that and that. Dis, tu crois en rien finalement? I said, you believe in nothing final. You know, ça c'est la réalité. I said, no, that is reality. Voyez, oui. Qu'est-ce qui caractérise cet homme? What characterizes la réalité l'a marqué. Reality has marked. C'est-à-dire une chose propre à la nature humaine. We think that are proper to human nature. Je dis, mais moi je crois dans autre chose. I tell him, I believe in something else. On peut le faire. We can do it. Je fais l'expérience à l'église. I had an experience at church. Quand je veux engager l'église. When I want to engage the church. Dans une voie. In a way. La majorité a toujours été à côté. The majority has always gone aside. Ils me disent toujours. They always tell me. C'est impossible. That's not possible. On ne peut pas le faire. We cannot do it. L'état est mauvais. The state of bed. Il y a crise. There's a crisis. Il n'y a pas d'argent. There's no money. Il n'y a pas ceci. There's not that. Il n'y a pas cela. There's not this one. Je dis, mais il y a Dieu. I said, there is God. Et Dieu a dit, faisons. And God said, let's do. Mais il peut nous donner les moyens de faire. He can give us means to oui, do. Oui, mais les temps sont difficiles. But the times are hard. Les temps sont times are hard. Ce qui fait que which makes that beaucoup d'églises many churches n'arrivent pas à bosser are not able to parce cry, que le peuple est bloqué. For the people are blocked. Il lui faut if you must être renouvelé dans l'esprit de sa tête. They must be renewed in the spirit of their mind. Il y a un esprit qui les caractérise. There is a spirit that characterizes them. Qui les bloque. That blocks them. Quand ils veulent bouger, they want to move,
l'esprit du monde. The spirit shows them. Regarde ça. Look at this. Dans l'église ça. You, regarde là-bas. Look at the. Tu as oublié ça? You forgot that. Regarde dans ton compte en banque. Look in your bank account. Il y a combien? How many do you have? Regarde ton salaire. Look at your salary. Tu touches combien? How much do you grab? Regarde tes origines. Look at your origin. Tu sors d'où? Where do you come out of? Voyez ça. Do you see that? Et quand vous venez dire à une telle personne, when you come to tell such a person, que vous avez une vie d'amour, that you have a life from above, la personne est tellement consciente de la vie d'en bas, the person is so conscious about the life of earth, peut pas croire, that they cannot believe in anything. Il faut un travail. There must be a work. Le travail qui permet au Saint-Esprit, that work that allows the par la vérité, la parole de Dieu, the truth which is the word of God, à renouveler la tête en détruisant l'esprit renew, qui agit dans l'intelligence de l'homme. To renew the mind, le centre de l'intelligence de l'homme. In the center of the intelligence of men. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. To be renewed by the spirit of your intelligence. Et revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. And to cover le a man, problème, a new man that is created by the image of God. Le problème est là-bas. The problem is there. Revêtir l'homme créé selon Dieu. To cover a man that is created according to God. Seigneur. Beloved in the Lord. Il y a en vous. There is in you. L'homme selon Dieu. A man according to God. L'homme né de nouveau. A man that is born again. La Bible dit, c'est Paul qui écrit au 2e Corinthiens. Paul that writes in the second chapter. Une Corinthians, personne en Christ, a person in Christ est une nouvelle créature. Is a new ou creation. Création. Is a new c'est-à-dire qu'elle n'est plus celle qui fut bloquée, celle qui fut incapable. Celui qui ne pouvait pas ceci, celui qui n'avait pas ceci, c'est une nouvelle création. Nouvelle veut dire qui n'a jamais été avant. Vous comprenez ce que c'est? Qui n'a jamais été avant. That was never before. Et pour qu'on arrive à cela, for you to arrive there, il faut d'abord que la personne ait reçu Christ. The person has received mais Christ. Cela ne suffit pas. And that alone is not enough. Bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, il y a beaucoup de gens many qui ont reçu Christ, that received Christ, mais qui ont gardé une vieille tête. That kept their old mind. Ils ont un nouveau cœur, they have a new heart, mais avec une vieille tête. That with an old mind. Et la tête non renouvelée, and the mind that is not renewed, l'homme, blocks le cœur nouveau. The new heart. Vous ne pouvez pas vous envoler. You cannot fly. Parce que for l'environnement vous tient. For the environment holds you. Vos circonstances vous tiennent. Your circumstances also hold you. La liberté doit venir là-bas. The freedom has to come from there. Quand la liberté vient dans votre mental. When the freedom comes in your mind. Maintenant, utilisant votre souveraineté de volonté. And now, using your sovereignty will. Vous pouvez maintenant décider d'aller dans le sens de Dieu. And now you can decide to go toward God's way. Dieu vous donne God gives you la liberté de choix. The freedom of choice. Vous-même, vous décidez ce que vous voulez faire. Yourself, you decide what you want mais to ce do. Que vous voulez faire what you want est to do déterminé par ce que vous croyez. Has to be determined based on what you believe. Si vous croyez que vous êtes incapable, if you believe you're not able, vous ne prendrez pas une décision contraire. You will not take a contrary decision. Et le Seigneur veut and the Lord wants que vous soyez maître de for you to be the master of et yourself. Le diable comprenant cela, and the devil understanding il that, veut vous coincer, he wants to squish you de manière à vous pousser vous-même, in a way of pushing you yourself, à prendre de mauvaises décisions, to take bad decisions, à vous bloquer, to block you, à vous détruire, to destroy you, et beaucoup and many sont bloqués de la sorte, are blocked in that way. Vous ne pouvez pas bouger. You cannot move. Parce que vous avez difficile à percevoir well, la vérité de qui vous êtes. The truth of who you are. Je vous ai raconté ça, je pense. I believe I told you this. Je priais pour une dame. I was praying for a lady.
Elle est venue nous voir, ma femme et moi. She came to see my wife and I. Elle m'a expliqué une litanie de problèmes. And she told me a long list of problems. Elle m'a même dit que son corps she even told me that her body était presque un atelier de maladie. Was a dwelling place of sickness. Elle m'a dit qu'il y avait quelque chose qui marchait en elle. She said that there was something walking in her. Comme si elle avait des voix là-dedans. That she had voice inside. Ça fait partie de la jambe montée jusqu'à la tête. Qu'elle allait très mal. She was not doing so well. J'ai prié pour elle. I prayed for her. Je lui ai parlé du Seigneur. I spoke to her about the Lord. J'ai prié pour elle. And I prayed for her. Elle est partie. And she left. Le lendemain, elle est revenue. And that's when she came back. Avec une très longue liste de nouvelles choses qu'elle a chantées. With a new list of things that she felt. Alors je ne comprenais pas qu'est-ce qu'on pouvait faire pour elle. I was not understanding what we can do for her. Je lui ai dit, OK. I told her, laisse-moi okay. Le temps. Give me time. Je veux te chercher. I will find you. Je suis resté. I remain. Je priais. I pray. L'esprit m'a convaincu. And the spirit convinced me. Le problème de la dame. The problem of this c'est woman. Sa tête. It is her mind. Si tu guéris sa tête. If you heal her mind. Tu libères la dame. You free the lady. Je pris ma Bible. And I took my Bible. J'ai écrit sur une feuille. I wrote on a paper. Point après point. Points after points. Toutes les bonnes déclarations de la parole de Dieu. All the good declarations of the word of God. Si Dieu, que dirons-nous à l'égard de ce say, what will we say about this si thing? Dieu pour nous, if God is for us, contre, then who will be against Dieu us? Plus que vainqueur, you are more than a conqueror. He has so loved you and so and so. Je l'ai appelé. And I called her. Je lui ai dit, j'ai trouvé la réponse. I told her I found the answer. Je veux te donner un produit que tu vas prendre trois fois par jour. I will give you a product that you will take three times a day. Le matin. In the morning. Tu vas lire à haute voix. You will read aloud. Ce que j'ai écrit. What I've written here. Tu vas le lire trois fois. You will read it three times. À midi. In the afternoon. Tu vas le lire à haute voix. You will read it aloud again three times. Avant de dormir. Before sleeping. Tu vas le lire à haute voix. You will read it aloud three times. Amen. Amen. And the woman left. Elle est revenue plus tard. And she came back later. Elle m'a dit, and told me. Quand tu m'as donné cette feuille, when he gave me that piece of paper. Dit, I told myself. Le pasteur, this pastor. Il joue à quel jeu? What game is he playing? Mais je dis, je le fais quand même. But I said I will just do it. Je l'ai fait malgré moi. I did it just because of le me. Premier moment. The first time. Et à force de le faire. And more as I kept doing it. J'ai commencé à y prendre. I started noticing. Mais ce que je constatais, now what I realized, c'est que plus je lisais, the more I read, plus ça restait. The more you will dwell in me. Et maintenant, prochainement, the next time, quand je me mettais à lire, when I put myself je to read, récitais plutôt que je lisais. I was saying, I was reciting instead of reading. La conséquence, que, the consequence is that, now, les pensées contraires de ce que j'ai the opposite thought of what I said, venait, will come to me. J'avais à moi, I had in me, ce que j'avais. What I received, ça devenait une protection, will become a protection contre la pensée. Against opposite thoughts. C'est ainsi que that's how j'ai commencé à confesser ces choses. I started confessing parce those things. Parce qu'elles étaient à moi. For they were in me. Elles ont marqué mon être. The mark et maintenant, and now, c'est devenu un plaisir. It became a pleasure. Chaque matin, every morning, je le répète. I repeat it. Tu peux allonger. I said, you can, il y a beaucoup de choses. I told you you can go forward with your things. I also do it with your brother. Une peur de mourir. That brother has a fear of dying. Au point où, at a point where il est un grand responsable, he's a big responsible dans la société. In the society. Il n'est jamais monté dans l'avion. He never went in an airplane. Quand il y a des missions, il envoie toujours d'autres personnes. Lui, jamais. But there are missions that he has to do. He sends up alors, because not him. Je voulais l'amener à Washington. So I wanted to bring him to Washington. Dans une conférence où je venais participer. A conference where I wanted to participate. Tout le monde a pris l'inscription. Je lui ai dit, toi, tu dois venir. Everyone also subscribed. I said, you have to come with me. Il m'a dit, he told me, c'est compliqué pour moi. It is complicated j'ai for dit, me. Dit, ton triomphe va venir de I said, your triumph will tu come vas voyager avec moi. You will travel with me. Malheureusement, les choses n'ont pas été. Even though the things were not so, he did not travel. Mais j'ai lui donné aussi. But I also gave him beaucoup de choses à dire chaque jour quand il sera. Many things that he had to say each time when he was working. Mais c'est pas magique. Beloved, it's not magic. J'ai travaillé but I worked sa tête. His
mind, de manière à ce qu'il retienne, you know, that he can remember la parole de Dieu, the word of God, qu'il commence à penser, that he start thinking avec la parole, with the word of God. Bien aimé dans ce livre, quand ce que Dieu dit, for when, what God says, occupe ta tête, who can, donc who ta can pensée, you, so your mind, ça change ta vie. Changes your life. Parce que ça va remplacer boy will replace les choses contraires que tu avais. The opposite things that you remember. Les déclarations de malédiction, the declaration of curse, d'incapacité, of no ability, les faiblesses, of failures, ça va les éliminer. You will erase all those things. Lisez avec moi. Read with me. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Nous allons prendre 2 Corinthiens. Permettez-moi de trouver le texte exact. The exact scripture. Et ce qui va nous permettre what will allow us d'aller directement à ce dont il est question. To go straight to what it concerns. Prenons, lisons d'abord 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 13. And verse 13. Et comme nous avons le même esprit de foi since we have the same spirit of faith, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, who is written in this word of Bible, j'ai cru, I believe, c'est pourquoi j'ai parlé. And that's why. Nous aussi, as also, nous croyons, we believe, et c'est pour cela que nous parlons. That's why we speak. Amen. Amen. J'ai cru, I believe, c'est pourquoi je parle. So I spoke. Nous avons cru, we believe, c'est pour cela so que nous avons parlé. We spoke. Bien-aimé, beloved, le Seigneur Jésus a dit the Lord Jesus has said que that c'est de l'abondance du from the abundance of the heart que la bouche parle, that the mouth speaks. Tu veux savoir ce qui contrôle ta vie? Want to know what controls your life? Fais attention à ce que tu dis. Be careful of what you say. Tu veux savoir ce qui gère ta pensée? Want to know what controls your mind? Fais attention à ce que tu dis. Be careful of what you say. Tout ce que tu dis, all that you say, reflète ce que tu crois. Reflect what you think. Amen. Amen. J'ai cru, I believe, c'est pourquoi that's why je parle. I spoke. Ce que tu dis what you say est le résultat is the result de ce que tu crois. Of what you believe. Tu ne peux pas fonctionner autrement you cannot work another way sans que without tu ne parles without you speaking ce que tu crois. What you believe. D'une manière ou d'une autre. In a matter or another, si c'est en la parole de Dieu que tu crois, the word of God that you believe, ta première réaction dans la bouche sera la parole de Dieu. Your first reaction in your mouth will be the word of God. Si c'est dans autre chose, même étant pasteur, even if it's other things, even si c'est pasteur, dans autre chose que tu crois, quand tu ouvriras la bouche, tu parleras. When you open your mouth, you will speak that. D'ailleurs, ça ne te consultera pas. You will not even check with you. Ça sortira. It will just go out immediately. Ça manifestera. It will manifest ce que tu crois. What you believe in. Donc, tu n'as qu'à prêter bien l'oreille. You only have to pay attention with your ears. Quand quelqu'un parle, when someone speaks, tu peux savoir en quoi il croit. You can know what they believe in. Il peut être chrétien. He can be a Christian. Mais dans lui, but in him, dans l'esprit de son intelligence, in the spirit of his intelligence, il n'est pas encore renouvelé. He's not renewed yet. La parole de Dieu the word of God ne contrôle pas encore sa tête. Does not control his mind yet. Il réfléchit he thinks qu'en fonction only functions de l'homme ancien, of the old man. Bien-aimé dans le Seigneur, loving in the Lord. Nous
avons besoin de le savoir. We need to know it. Il nous faut un renouvellement de notre tête. Of our mind. Si notre tête n'est pas renouvelée, if our mind is not renewed, tout effort que nous faisons sera vain. All effort that we will do will be vain. Beaucoup pensent many things, que c'est à force de jeûner et de prier que ceci va les conduire that à la victoire. To victory. La victoire vient de là-bas. Victory comes from here. Il faut croire à la victoire pour l'avoir. You must believe in victory for you to obtain it. Ce n'est pas parce que tu as été fait de longues prières avec prayer, jeûne surtout. With fasting especially. Le problème, c'est que quand tu sortiras de jeûne et prière, the problem is when you will leave fasting and prayer, tu trouveras la même tête. You will find back the same mind. Et cette tête va rendre nul. And that mind will make it pain. Tout ce que tu as fait. All that you have done. Tout effort que tu as déployé. That you put in. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a que la cohabitation avec la parole de Dieu. Laissez le Saint-Esprit to leave the Holy Spirit, faire pénétrer la parole de Dieu en vous. So that the word of God penetrate in you. Paul dit aux Colossiens, que la parole de Dieu that the word of God habite abondamment lives abundantly parmi vous. Amongst you. Abondamment. Abundantly. Alors vous voulez so you want restaurer votre mental. To restore your mind. Renouveler l'esprit de votre intelligence. The spirit of your intelligence. Inondez-vous de la parole. Fill yourself with the word. Lisez la parole. Read the word. Écoutez la parole. Listen to the pensez word. Pensez la parole. Think the word. Répétez la parole. Repeat the word. Voilà ce que Dieu avait dit à Josué. See what God told Joshua. Lorsque Moïse est mort, when Moses died, il lui a dit, and he said to him, Moïse, mon serviteur est mort. Moses, my servant, is dead. Lève-toi. Rise up. Traverse le Jourdain. Pass the Jordan, car ce toi you, qui fera entrer ce peuple that will make these people enter dans le territoire que je lui ai donné. In the territory that I've given to them. Amen. Amen. Et il lui a dit ceci. And he told this to him. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, everywhere that the sole of your feet shall be, I will give it to you. Tu auras pour territoire. You will have a territory de tel point à tel point. From this place to this place. Et il lui a dit and he said to him, que ce livre de la loi, may this book of the law, ne s'éloigne point de ta bouche. Does not depart from your mouth. Normalement, il aurait dit, ne s'éloigne pas de tes yeux. Normally, it would not leave your eyes. Mais il lui a dit qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. But he said, let it not depart from your mouth. Médite-le jour et nuit. Meditate day and night. Qu'est-ce que cela signifie? What does that mean? Le méditer jour et nuit. Meditating it day and night. Le verbe méditer ici. The verb meditate here. Il a le sens de murmurer. Has the meaning of murmuring. Murmure cela. Murmur that. Murmurer c'est répéter à soi-même. Murmuring is repeating to yourself. Le livre. The book. Tu le répètes à toi-même. You repeat it to yourself. C'est-à-dire tu le dis à toi-même. You're saying it to yourself. Tu parles cela pour toi-même. You're speaking it for yourself. Il dit, he says, c'est alors then que tu réussiras. You will succeed dans tes entreprises. In all that you will do. C'est alors then que tu auras du succès. You will have success. Voyez ça, bien-aimé. You see that, beloved. Le livre de la loi. The book of the law. La parole de Dieu. The word of God. Il dit. He says. Murmure ça. Murmur it. Répète-toi cela. Repeat yourself that. C'est-à-dire. Meaning. Quand tu te lèves le matin. When you wake up in the morning. Tu médites la parole. You meditate the word of God. C'est pour te la répéter. For you to repeat it to yourself. Quand tu as lu. When you read it. Je suis plus que vainqueur. I am more than a conqueror. Il faut que tu te répètes cela. You must repeat that to yourself. Et que tu commences à parler à Dieu. You start speaking to God. Je te bénis, Seigneur. I bless you, Lord. De ce que je suis plus que vainqueur. For I am more than a conqueror.
De ce que je suis ceci. For I am this one. De ce que je suis cela. For I am that one. Répète à toi-même. Repeat to yourself. Jusqu'à ce que cela change ta façon de voir. That will change your way of seeing. Que ça devienne ton système de pensée. That will become your system of mind. C'est alors que tu le seras. And then you will succeed. C'est ce que tu as dit à Josué. That's what God told Joshua. C'est alors que tu le seras. And then you will succeed. Dans toutes tes entreprises. In all that you are to do. C'est-à-dire qu'avant d'entreprendre, before doing something, il faut que la pensée de la réussite the God of success ait déjà pris le contrôle de ta tête. Has already taken control of your ait mind. Ait déjà changé, renouvelé l'esprit. Had to renew and change the spirit of your intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Ça, c'est ton travail. That is your job. Si tu ne le fais pas, if you do not do it, tu vas être né de nouveau. You'll be born again. Mais la tête by qui te conduira sera ancienne. Will be old. Or, but, quand nous nous laissons pénétrer avec les informations du ciel, nous les laissons nous pénétrer. Nous comprenons qui nous sommes. We understand who we nous are. Commençons à contempler où nous sommes. Nous apprenons à déclarer ce que nous sommes. Ce que what nous are, avons. What we have, nous changeons notre pensée we change our mind concernant notre nature. Concerning our nature. Nous changeons notre pensée we change our mind concernant ce que nous possédons. Concerning what we possess. Nous changeons notre pensée we change our mind concernant notre force physique. Concerning our physical strength. Nous changeons. We will change. Amen. Amen. Nous changerons. We will change. Alors, so, veille sur ce qui sort de ta bouche. What comes out of your mouth. Considère que tout ce que tu déclares, consider that all you declare, tu le dis d'abord à toi-même. You're saying it first to yourself. On a dit à Josué, they told Joshua, dis à toi-même ces livres. Et répète ça à toi-même. And repeat it ne te dis pas autre chose. Do not say other things. Ne t'enseigne pas autre chose. Do not teach yourself ne te déclare things. Pas autre chose. Do not declare to yourself other things. Et la personne dont je parlais, and the person I was speaking about, qui était à côté de moi, who was next to me, mais qui ne croyait en rien, who believed of nothing, à force de travailler avec elle, the more that we work together, je lui ai changé la tête. I changed her mind. Pas moi, me, mais l'action de la parole que je lui parle. But the action of the word that I was sharing with ça a restauré, renouvelé, renewed. Et c'est pour cela que un certain langage, a type of language, une certaine façon de parler, or a way of speaking, peut même refléter can even reflect avec qui tu es. With who you are with. Si tu es avec un échoueur, if you were a failure, qui ne voit jamais plus loin. That never sees farther. Tu vas commencer à parler comme lui. You'll start speaking like him. Mais si tu es avec quelqu'un qui réussit. But if you're with someone that's a quelqu'un qui est marqué. Someone that is marked. Par la pensée de Dieu. By the thought of God. Tu vas changer de nature. You will change your nature. Tu vas changer de langage. You will change your language. Tu vas voir les choses selon le ciel. You will see things according to heaven. Voir les choses selon le ciel. See things according c'est to heaven. C'est pas simplement savoir. Not only knowing, mais c'est être pénétré par ça. But being penetrated by it. Amen. Amen. Il faut que ta vie d'en haut pénètre ton être. Your life of above has to penetrate your ta being. Ta vie d'en haut change ta façon de réfléchir. Your life of above has to change your way of thinking. Change ta façon de concevoir. Has to change your way of conceiving. Ta façon de penser. Your way of thinking. Si ce n'est pas cela, if it is not that, tu peux faire autant de prières. You can do many prayers. Tu peux faire autant de jeûnes. You can do many fasting. L'obstacle sera en toi. The obstacle will be within il you. Il faut partir là-bas. You must start from renouveler here. L'esprit de ton intelligence. Renew the spirit of your intelligence. C'est pour cela que Paul, that's what Paul says, a parlé said, du renouvellement de l'intelligence. The renewing of the mind. Bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, nous avons besoin we need de laisser notre tête to leave our mind renouveler. To be renewed. Je vais lire un dernier texte. And I will read the last scripture. 1 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthians chapter 10, verse 3, and verse 3. Nous allons jusqu'au verset 5. And we'll go till the end.
Corinthiens 3. 2 Corinthians chapter 3. Excuse. Chapitre 10, verset 3. Apologize. 2 Corinthians chapter 10, verse 3. Si nous marchons dans la chair, if we walk by the flesh, c'est-à-dire étant sur la terre, being on this earth, nous ne combattons pas selon la chair. We do not fight our battles the same way. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. The weapons we use are not human ones. Mais elles sont puissantes par la vertu de but Dieu. Powerful by from God. Pour renverser des forteresses. And can destroy the enemy's strong places. Nous renversons les raisonnements. We destroy people's arguments. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. And with every tear that comes down from God against et God nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de we Dieu. We also capture every thought and make it obedient to Christ. J'ai toujours aimé I've loved la façon dont la Bible en anglais traduit. The way the English Bible translates. Quand nous disons nous renversons les raisonnements. When we say we nous renversons les raisonnements. We capture of every thought. Et la Bible, l'autre version de la Bible anglaise parle des arguments. The other version of the Bible speaks about arguments. Il dit nous renversons les arguments. We destroy our arguments. Les arguments signifient qu'il y a quelqu'un qui argumente. Argument, there's someone arguing with us. C'est ce qui est traduit sur par raison. That's what's spoken here by reason. Ce sont les arguments. They're arguments. Avant que ces arguments deviennent outils entre les mains du diable. But those arguments becomes a tool. Ce sont vos arguments. It is your argument. Les arguments de votre nature. The argument of your nature. Lorsque Jérémie dit à Dieu, God, je ne sais pas parler sous un enfant. I do not know how to c'est pas le diable qui parle. It's not the devil speaking. C'est l'environnement de Jérémie the surrounding of qui Jérémie a donné à sa pensée d'homme cette argumentation. That argument. Tout commence par vous from et you. Le diable s'en sert and the devil uses ça devient it, de forteresse. And becomes strength. Il dit, nous renversons les arguments. C'est-à-dire, avec la parole de Dieu en toi, tu sais maintenant renverser les arguments de la chair. La chair a des arguments. Elle va te faire dire des choses contraires. Te faire croire des choses contraires. Et Paul dit, and Paul says, nous renversons les arguments. We capture all arguments. Et en les renversant, by pouring them down, nous rendons captives captive, toutes pensées. C'est-à-dire que les pensées de la chair, the thoughts of the flesh, les pensées de la terre, the thoughts of the mind, nous en faisons esclaves. Making them slaves, par l'argument du ciel, by the argument of heaven, l'argument de Dieu, the argument of God. Bien-aimé dans le Seigneur, les argumentations arguments. Travaillent avec les gens même pendant les prédications. Je peux être là en train de prêcher. I can give you a preaching. Je donne un texte, I give un argument de Dieu. Argument quelqu'un God, est assis là. And is there, on lui donne un autre argument. And they give them another argument. Vous pouvez être dans une église church, en train de vous battre avec le prédicateur. You can be fighting with the preacher. Vous trouvez même des versets qui s'opposent. You even find verses that are opposite. Quand on vous dit ceci, when they tell you this, d'autres arguments vous viennent, vous cherchez même la vous this, trouvez, you vous soulignez même envie de vous bloquer. That's right to block you. Comme ça, that's how l'ennemi menace ses serfs. The enemy uses that. Ça devient des forteresses. It becomes strong for him. Alors il faut être habité, you have to be dwelt, inondé, filled, par ce que Dieu dit. By what God says. En toutes circonstances. In every circumstance. Ne réagis that do not retreat, que selon ce que Dieu dit. In every circumstance. Avoir ça à only how God says, and to see that in the spirit. Ne pas laisser to not autre argumentation. Out of arguments. Le temps de s'opposer. The time to oppose. À ce que Dieu dit. I guess what God c'est ainsi que Paul dit ici. That's what Paul says here. Nous rabaissons les raisonnements et les auteurs
qui s'élève contre la connaissance de Dieu, contre la connaissance de la vérité. La parole de Dieu est le moyen qui nous permet de les réaliser, de le renverser. Écoutez la parole. To hear the word. Lisez la parole. To read the word. Pensez la parole. To think the word. Mangez la parole. To eat the word. Chaque occasion. And with every opportunity. Inondez-vous de la parole. Fill yourself with the word of God. Voilà donc, bien-aimé. Therefore, beloved. Le moyen. The way. Par lequel. By which. Vous allez vaincre. You will conquer. Vous serez des succès. You will have success. Et Paul dit. And Paul says, les armes avec lesquelles nous. The weapons which we use. Ne sont pas chargées. Are not human ones. Elles sont spirituelles. The weapons power elles from sont God. Puissantes. They are powerful. Par la vertu de Dieu. From the truth of elles God. Elles sont puissantes. They are powerful. La parole de Dieu apparaît ça. The word of God appears in you. But it's a powerful la weapon. Première chose qu'elle doit faire. The first thing that it must do. Is to set you free en yourself changeant votre système, by changing your system, en renouvelant l'esprit de votre by renewing the spirit of your mind and of your intelligence. Alors, and then, la parole de Dieu the word of God étant créatrice, being created, quand you will speak it, elle va appeler à l'existence. You will want to exist. Ce qui n'existe. What does not exist? Quand vous vous mettrez when you put yourself to pray, en déclarant qui vous êtes, declaring who you are, en haut, above, vous le verrez se réaliser. You will make it, dans, dans votre pensée, above dans your votre God, esprit, in your spirit, et cela va vous réaliser. And that will come in existence. Pour qu'Abraham ait, à son âge avancé, Isaac promit, Dieu l'a soumis à cet exercice. Il a changé de nom. He changed his name. Et en devenant Abraham, by becoming Abraham, ce nom était tout un programme. That name was a chaque program. Fois qu'on l'appelait ou lui se présentait, well, every time they il se permettait d'être programmé. He was allowing himself to be programmed. Abraham, Abraham me dit père d'une multitude de nations. Meaning the father of a multitude of chaque nations. Chaque fois qu'on lui demandait quel est ton nom, asking, il dit père d'un grand nombre d'enfants. Les gens le connaissaient sans enfants. People knew him. Mais il se présente comme père de beaucoup d'enfants. But he presented himself as a father of donc many children. Il s'est programmé. He was programming à force de le répéter. Repeated, et de s'entendre appeler comme and ça. Like tout a changé en amour. All changed in him. D'abord sa tête. First his mind. Son cœur. His heart. Et après son corps. And then his body. Abraham a Isaac. Abraham received amen. Et de la même façon. And in the same way. Soumettez-vous à l'exercice. Submit yourself in the exercise. De répéter votre nouveau nom. I'm repeating your new name. Votre nouveau nom. Your new name. C'est ce que Dieu dit au ciel. It's what God says in heaven. Commencez à le déclarer. Stop declaring it. Commencez à en parler. Stop speaking it. Dites-vous à vous-même. Et ne dites pas dans votre cœur. Déclarez-le. Que vos oreilles l'entendent. Que cela entre par vos oreilles. Change votre tête. May it change your mind. Et votre cœur. And your heart. Et vous verrez la suite. And you will see the amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you.